Bonjour à tous, avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore ce matin pour un temps de louange. Bonjour aussi aux musiciens qui sont avec moi et je vous invite simplement à élever vos voix ce matin qu'on veut célébrer la victoire de notre Seigneur, on veut célébrer la victoire de notre Dieu sur le péché, sur la mort. Et vraiment ce matin, on veut s'approcher avec assurance devant son trône et chanter gloire, gloire à son nom, lui qui a gagné le combat. Soyez bénis ce matin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés. Mon sauveur, bois attaché. Son corps lié. De larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre. Le Messie seul était laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Chantons ce matin, mais au matin, mais au matin. Troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. Oh, la mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de
notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Déclarons-le. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Nous rend plus que vainqueurs. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de le Saint-Esprit te remplit encore ce matin. Oh, l'onction du Saint-Esprit. Oh, l'onction du Saint-Esprit. Nous rend plus que vainqueurs. Oh, le sang. Oh, le sang de simplement continuer à jouer les instruments. On va proclamer cette victoire ensemble. Commence à élever ta voix et dire oui, je proclame la victoire du sang de Jésus remporté sur la croix de Golgotha. Je proclame cette victoire sur ma vie, sur ma famille, sur ma maison, sur mon église locale. Je proclame la victoire du Seigneur. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu dérober, ce que l'ennemi a voulu détruire, oh, la victoire du Seigneur, eh bien, a été remportée à la croix. Et rien ne peut me séparer, oh, de l'amour de Dieu. Ni les choses à venir, ni les choses présentes, ni les choses qui sont sur cette terre, ni aucune puissance. Rien, absolument rien, ne peut me séparer de l'amour et de la puissance du Seigneur. Oh oui, car ce sang a coulé. Il a coulé pour moi, pour ma famille, pour le monde entier, pour quiconque croit et se réfugie dans ce sang, recevra la victoire. Merci Père, parce que nous ne clémentons pas une victoire, Seigneur, déjà remportée. Père, nous disons, conduis-nous à marcher dans la victoire. Conduis-nous encore à saisir cette victoire pour notre vie aujourd'hui. Oh, l'onction du Saint-Esprit.
Saint-Esprit, parce que tu es avec nous ce matin, avec chacun de mes frères et sœurs qui est derrière son écran. Saint-Esprit, tu es avec nous, tu es en nous. Tu as promis de nous accompagner, de nous diriger. Je prie que vraiment tu nous accompagnes à marcher dans la victoire. Oh, que l'Église de Christ marche dans la victoire, dans la sainteté, oh, dans l'amour de Dieu. Seigneur, marche avec zèle, avec passion pour son Dieu, et marche victorieux sur le péché, victorieux sur ce qui nous sépare de toi, Père. Les choses du passé, les choses qui nous enlisent dans notre passé et nous empêchent de saisir notre destinée. Oh, ce matin, je prie, Saint-Esprit, fais une œuvre particulière dans la vie de mes frères et sœurs, de tous ceux qui me suivent derrière cet écran. Oh, Saint-Esprit, je prie que tu répandes ta présence et que réellement nous puissions aujourd'hui marcher dans ta victoire. Libérer les captifs, Seigneur. Vraiment proclamer une année de grâce et vivre pleinement libre avec toi. Merci, Père, pour ton œuvre dans ton Église, vraiment avec ton épouse, que tu purifies, que tu laves, que tu sanctifies. Sois loué, Père, c'est ton Saint-Esprit qui le fait. C'est ton Saint-Esprit qui le fait. Et nous bénissons vraiment l'œuvre de ton Saint-Esprit. Sois loué, Jésus. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, plus de péché. Tu m'as sauvé, Jésus, tu es ressuscité et tu règnes en majesté. Tu es vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur, plus de péché, tu m'as sauvé, Jésus, tu es ressuscité. Et tu règnes en majesté. Oh, 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 oh. Chantons, l'amour est venu. L'amour est venu vers moi, s'abaissant jusqu'à la croix. Tu pris ma honte et mon péché. De la mort tu as triomphé. Dans l'épreuve, dans l'épreuve, dans la tourmente, ta présence jamais ne manque. Je suis libre, je suis vainqueur. Et tu es
Père, nous le déclarons ce matin, tu règnes sur nos vies. Tu règnes sur nos vies. Tu règnes sur nos familles, sur nos foyers, sur notre église, sur nos églises, sur notre pays. Ô Père, oui, tu règnes en sauveur et en maître. Père, nous le déclarons ce matin. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le péché. Tu as vaincu tout ce qui nous séparait et nous éloignait de toi. Et tu as ouvert un accès éternel à celui qui s'approche du trône de la grâce. À celui qui s'approche du trône de la grâce. Ouais, je ressens vraiment dans mon esprit ce matin un appel. Un appel pour beaucoup à vous approcher du trône de la grâce. Car oui, il veut vous accorder cette victoire. Il veut t'accorder cette victoire. Et vraiment, sa voix t'appelle ce matin. Alors, est-ce que tu peux commencer à prier avec moi, à dire, ô Seigneur, me voici. Me voici devant ton trône. Réellement pour m'humilier devant ta face. Père, j'ai voulu marcher loin de toi. J'ai voulu marcher seul. J'ai voulu m'éloigner. Prendre mes propres décisions. Et faire de ma vie ce que j'en voulais. Mais mon âme n'a pas trouvé le repos. Mon âme n'a pas trouvé la paix. Et j'entends ta voix qui m'appelle à ton trône. Car je sais que tu as remporté cette victoire. Je sais que tu as donné ta vie pour moi. Et je viens m'humilier devant toi ce matin. Père, merci parce que tu me reçois. Ô Père, tu me pardonnes mes fautes. Et tu me permets de saisir ta grâce. Père, tout n'est que grâce. Pouvoir élever ma prière vers toi, c'est une grâce. Pouvoir m'approcher de toi, c'est une grâce. Père, pouvoir compter sur toi, c'est une grâce. Et je m'approche humblement devant toi. Père, je t'en prie, entends ma prière, entends mon cœur, entends ce que je t'exprime ce matin. Et permets-moi, Père, de t'honorer à chaque jour. Merci, Père, pour ta présence dans ma vie. Sois loué et sois béni. Amen. Amen. Je vous bénis les amis ce matin, avec tous mes amis et mes frères et sœurs musiciens, je vous bénis, nous vous bénissons, que vraiment sa présence vous accompagne durant ces jours encore et que vous puissiez continuer à vous approcher toujours plus près de son cœur, toujours plus près de lui, à continuer d'abandonner vos fardeaux, continuer d'abandonner toutes les choses qui remontent à la surface, on veut les abandonner devant le trône de la grâce et lui il est fidèle et bon. Pour nous pardonner nos péchés et pour nous transformer. Soyez bénis les amis pour cette journée et je vous retrouve demain à la même heure sur la chaîne YouTube et sur PO Louange. Vous pourrez eh bien suivre un culte en rediffusion et après-demain pour une louange avec un de mes amis conducteurs de louange. Et vraiment, on vous embrasse, on vous aime avec les musiciens, toute l'équipe. On est avec vous et que sa grâce soit sur vous. À tout bientôt. Ciao, ciao.